À Papenhaut, les recherches continuent, mais cette fois sans les moyens de l'État. Plusieurs dizaines de bénévoles se sont donné rendez-vous à l'entrée de la vallée pour définir les stratégies de recherche. Le maître mot a encore été l'entraide. Des entrepreneurs privés et la commune ont mis à disposition 3 excavateurs. Écoutez Henri Flore, maire de Hitia Otera, il répond à Ignacio Raveino. Les familles endeuillées, même les associations, les différentes associations, les bénévoles, qui ont demandé peut-être si on va peut-être mettre les 3 dragues pour essayer de dévier la rivière et d'attendre demain pour faire encore d'autres recherches dans cette zone-là. Plonger des endroits inaccessibles au début. Inaccessibles, et là on pourra mieux plonger demain pour faire des recherches. C'est plus facile pour nos plongeurs aussi, les chercheurs. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.